Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Il est Adrian dans la série Clem. Il a remporté haut la main la 8e saison de Danse avec les stars. C'est vrai ? C'est vrai. Voilà. Et tu as sorti un album cet été, au mois d'août, oui. Le 17 août. C'est ça. Qui s'appelle Agustin Galeana, ouais. Que tu vas nous présenter aujourd'hui. Mm-hmm. Bienvenue Agustin Galeana, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est à vous. Allez, on y va. On se croise au hasard, c'est fou, il est si tard. Dis-moi comment vas-tu, qu'est-ce que t'es devenu. Sur les bords du canal, ton sourire m'a fait mal. T'es comme l'été dernier, tu ne reviendras plus. Traverse le passé, t'offrir une cigarette et lire dans tes pensées, si on allait faire la fête. Je ne connais pas ton nom, mais j'en ai qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous les réverbères. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Et l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Fue ayer, oh, oh, oh. El amor, el amor, el amor, el amor. Fue ayer. Souviens-toi nos voyages sous les ports, le naufrage. Ma vie est un peu creuse et toi es-tu heureuse? Pardonne-moi, j'en dis trop. Je me tairai bientôt. Le reflet de l'histoire me revient en miroir. Traverse le passé, juste pour changer d'air. Si tu n'es pas pressé, prenons un dernier verre. La peine a débordé, on a chacun la sienne. Qu'est-ce que tu fais les quelques heures qui viennent? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous les réverbères. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Et l'amour, et l'amour, fue ayer. Oh, oh, oh. Et l'amour, traverser, traverse le passé, renverse le futur, retenter l'aventure, enfin se laisser traverser, soigner la blessure, je voudrais connaître. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous les réverbères. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Et l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Fue ayer, oh, oh, oh. Et l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Fue ayer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, en fait, ça fait plaisir de voir tout le monde derrière en train de danser, en train de bouger le corps. Ça fait plaisir. Ça veut dire que ça va bien. Bon, je vais vous chanter le premier single qu'on a sorti déjà en janvier de cette année. Et là, je vous présente mon nouveau single qui passe déjà en radio et qui, voilà, on va tourner le clip la semaine prochaine. Ça va être, voilà, pour moi, c'est la chanson d'amour et romantique de mon album. Elle s'appelle Je n'aime que toi.
Et voilà, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi. On y va? Et si je m'approche et je te dis quelque chose, c'est que ça, je n'aime que toi. Je suis allé au bout du monde, je suis allé au bout de moi, comme un ombre qui vagabonde, pour oublier ta peau, ta voix. J'ai dansé contre d'autres corps, mais je n'étais jamais moi-même. J'ai essayé, j'essaye encore, d'oublier que tu étais mienne. Et peu importe où tu te caches, plus tu t'éloignes, plus je m'attache. Je n'aime que toi, c'est ma faiblesse. Je n'aime que toi, toi mon ivresse. Je ne sais faire que ça, t'aimer sans cesse. Semer de l'amour sous tes pas. Je n'aime que toi, mais tu m'esquives. Toi, tu es déjà sur d'autres rives. Je rêve parfois que tu arrives mettre tes bras autour de moi. Si tu es dans les bras d'un autre, qu'est-ce que j'y peux rien? J'imagine cacher tes peurs, oublie mes fautes, car ce bonheur est le nôtre et l'amour nous devine. Je n'aime que toi, c'est ma faiblesse. Je n'aime que toi, toi mon ivresse. Je ne sais faire que ça, t'aimer sans cesse, semer de l'amour sous tes pas. Je n'aime que toi, mais tu m'esquives. Toi, tu es déjà sur d'autres rives. Je rêve parfois que tu arrives mettre tes bras autour de moi. Mettre tes bras autour de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, et là, on va avec une chanson, avec la troisième, qui s'appelle Para Papa. Elle bouge bien aussi, donc je vais vous voir danser à tous, ici et derrière vos écrans. Ça me fera plaisir en tout cas. Hein, je vais le sentir, hein, donc allez, on y va? Allez. Toi, le regard animal qu'on n'apprivoise pas, tes yeux l'homme se déballe. Je suis criblé de toi, j'ai beau jouer des bras, tu as l'air insensible. J'ai pris ton cœur pour cible, mais je ne touche pas. Parapapa, parapapa, ton nom te plaire. Parapapa, parapapa, j'ai essayé sans mon pas. Parapapa, parapapa, j'étais si fier. Parapapa, parapapa, tu m'as laissé sans voix. Je n'aime plus le soleil, mon étincelle c'est toi. Ta peau est un toute celle que j'aimais autrefois. Tu me frôles de ta main, je t'ai senti bout des doigts. C'est toujours le même refrain. Parapapa, 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 parapapa. Parapapa, parapapa. Moi, parfois je me sens bête quand tu me fais courir. Faut-il perdre la tête pour gagner ton sourire? J'ai beau jeter des mots, comment jeter son corps? Tu dis qu'il sonne fort et tu m'ignores encore. Parapapa, parapapa, j'ai cours derrière.
Padapapa, padapapa, j'ai essayé sans renvoi. Padapapa, padapapa, j'étais si fière. Padapapa, padapapa, tu m'as laissé sans renvoi. Je n'ai plus de soleil, mon étoile seule c'est toi. Ta peau est à toute celle que j'ai aimée autrefois. Tu m'épaules de ta main, je descends du bout des doigts. C'est toujours le même repas. Padapapa, 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 padapapa. Et voilà que tu baisses la garde. Et voilà que tu me regardes. Je peux recycler ce que tu crois. Mais l'amour nous brûle les doigts. Ne sens-tu pas? Padapapa, padapapa, c'était un sel. Padapapa, padapapa, qui nous brûle les doigts. Padapapa, padapapa, qui est un sel. Padapapa, padapapa, que je mets autrefois. Que je mets autrefois. Qui nous brûle les doigts. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout va bien avec les sons? Très bien. Ah, très bien. Donc, parce que parfois je ne m'entends pas, donc voilà. Mais c'est le chef là-bas qui gère, donc je lui fais confiance. Ok? On va avec, un gold que je chante toujours, d'un de mes chanteurs préférés, espagnol, qui voilà, vous connaissez tous, il s'appelle Julio Iglesias. Je vais chanter Vous les femmes. J'espère que ça va vous plaire. Ah, tu rigoles? Ah, ça te fait rire quand même. Ça te fait rire. Donc, elle va dédier à vous toutes. Hein. Moi, surtout aux trois femmes de ma vie, ma nièce, ma grand-mère et ma mère. Donc voilà, c'est pour vous. Merci. Sourire nous attire et nous désarme. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres diables. Hoy pasaste por mi lado, sin mirarme de otros brazos. Yo quisiera no pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado. Quien pudiera estar contigo y ser el loco, yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable que nous sommes, misérables, vulnérables nous les hommes. La 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges adorables,
Et nous sommes, nous les hommes pauvres diables. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabía retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Vous, les femmes. Merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo. Merci. Ah non, merci à vous. Très belle interprétation de vous, merci les femmes. Merci beaucoup. Bravo à vous aussi. Un peu plus fière que celle de Julio, mais un peu toréador, mais ça va. Oui, mais parce que... Je l'aime bien comme ça. Tu es un peu plus toréador que Julio, c'est tout. Un petit peu. Voilà, tout simplement. On va prendre des tabourets, si tu veux bien, pour passer au chat. Merci, Fanny. Hop. Petit moment d'installation, très bref. Hein. Viens donc avec moi. On m'a donné les tabourets plus haut. Tu veux le changer ? Non, mais c'est bien, non, tu es plus grand que moi, c'est pas okay, grave. Pas de problème. Tu es prêt ? Bah, je suis prêt, bah oui. Mélissa. Mélissa, bonjour. Bonjour, Agustine. Pourquoi sortir un album en français ? Bah, de une, parce que je voulais chanter à l'amour. Je pense que le français, il est la langue de l'amour. Et de deux, parce que j'habite en France, et voilà, si je chante en espagnol, vous allez comprendre trois mots. Moi, oui. Hola, ¿qué tal? Non. Bien, ou, muy bien, vas, et tout. Ou muy bien, ou estoy contento, ou hola, ou, voilà. Donc, non, je pensais qu'on a réfléchi, on a cru que c'était une bonne idée de le sortir en espagnol. Et voilà, les chansons en espagnol arriveront à un moment donné, mais pour l'instant... Ah, tu y as pensé à sortir... Bah oui, on a réfléchi à ça et elles arriveront bientôt. Mais pour l'instant, on avait décidé de le sortir en espagnol parce qu'on a cru que c'était plus pertinent et voilà. D'accord. Juste les musiciens, vous pouvez sortir, bon, un applaudissement pour Romain, Jean-François, voilà, et Amine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y en a un qui doit partir, là. Ah ouais ? Il y en a un qui doit partir, je crois. Bah, ils sont très pris parce non, qu'ils sont très bons. Finalement, ils restent. Ils restent avec nous. Aurore, tu dis que c'est un album pour faire l'amour et la fête. Ça, c'est vrai. Est-ce que ce sont deux de tes préoccupations majeures dans la vie ? Bah, faire la fête, non. Faire la fête, c'est pas une préoccupation. Faire l'amour, oui. Bon, plutôt qu'une préoccupation, c'est une occupation. Une occupation, une saine occupation. une belle occupation. Mais voilà, mes majeures occupations dans la vie, c'est ma famille, c'est la santé, c'est le travail, c'est mes amis, c'est prendre soin de moi. Ta famille est en Espagne ? Oui, la famille oui, est en Espagne ? Ouais, ouais. Elle est où ? Bah, en Alicante. Je viens d'une petite ville au bord de la mer en Alicante, à l'est de l'Espagne. Mm-hmm. Et voilà, c'est une très jolie ville au bord de la mer avec plein de plages, plein de soleil. Voilà. Des villes comme on aime. Bah voilà. Comme on les aime. Jessie, tu as commencé par la danse, puis le théâtre, aujourd'hui la chanson. Quelle discipline préfères-tu et quelle est la prochaine étape ? Moi, je suis comédien, je suis chanteur. Je ne peux pas m'appeler danseur parce que je trouve que pour arriver à être danseur, tu as besoin de beaucoup de travail. Il faut commencer très tôt. Moi, comme elle dit, j'avais commencé avec la danse, mais j'ai essayé de faire de la danse aux 18 ans, mais j'ai vu tout de suite que c'était trop tard pour danser. Donc, je me suis dit, il faut changer. Et du coup, j'ai commencé à étudier de l'interprétation. Je suis devenu comédien. Et déjà, à Madrid, j'écris deux albums et celle-ci, c'est mon troisième. Et qu'est-ce que je préfère ? C'est comme si tu me demandes, qu'est-ce que tu préfères, maman ou papa ? Je ne peux pas choisir. Je peux te dire que je me réveille le matin et je chante et je me réveille de la sieste, que j'en fais très peu, et je suis comédien. Donc, comme ça, on est tous contents. Qu'est-ce que tu chantes le matin ? Bah, tout. Moi, le matin, j'écoute. Je chante pas, mais non, j'écoute les quatre saisons de Vivaldi. Ça m'équilibre, en fait. Ça t'apaise. Oui, oui, ça m'a en douceur. Ça met les niveaux de ma vie au bon endroit, quoi. Je sais pas. Très bien. Olivier, pourquoi as-tu fait Danse avec les stars ? Avais-tu quelque chose à te prouver ?
Bah pourquoi avoir fait Dals, Danse avec les stars? Parce que c'est une émission que j'adore. Je pense que c'est une des plus belles émissions qu'il y a à la télé française. Et j'adore danser. Danser me donne de la joie, danser me fait oublier les problèmes. Danser, pour moi, c'est une médecine. C'est une médecine, en fait. C'est un médoc pour moi. Et quand on m'a proposé de faire Danse avec les stars, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était mon rêve d'enfant, j'ai jamais pu faire ça. J'ai eu deux grandes frustrations dans ma vie. Une à 14 ans, aux 14 ans, quand j'ai demandé à ma mère de faire des cours de danse, elle m'a dit « Mais pourquoi tu veux danser si tu danses déjà trop bien? Pas besoin. Allez, rentre étudier. » Et après, ça a été aux 18 ans, quand j'ai eu la chance de pouvoir choisir qu'est-ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que c'était trop tard, donc voilà. Donc ça a été une belle revanche de la vie, faire Danse avec les stars. Et j'ai pu accomplir. Et donc ta mère, quand elle t'a vu danser dans l'émission, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, elle était fière. Elle était fière. Ouais. Mais c'est pas possible, c'est l'autre qui t'aimait. Mais elle était très contente de me voir danser, de pouvoir au moins voir réaliser mon rêve d'enfant déjà à l'âge adulte. Irène. Comment as-tu travaillé avec Nazim sur l'album? Parce que Nazim. Nazim, c'est l'auteur de l'album. Voilà. Ouais. Bah pourquoi lui? Parce que de une, je trouve que c'est une génie. Pour moi, c'est une chance de pouvoir travailler à ses côtés. Pour moi, c'est un génie. Il a un talent de ouf. Il a écrit pour Florent Pagny, pour Anim, pour Amir, Kenji, Alma, Claudio Capeo. C'est un vrai parolier. J'avais très envie de travailler avec quelqu'un d'autre. J'avais fait mes deux albums. C'était moi qui avais écrit les chansons, la mélodie, la musique, les paroles. Et là, j'avais besoin de partager. J'avais envie de partager cette aventure avec quelqu'un d'autre. Et Nazim, ça a été la personne. Comment ça s'est passé? Tu lui as dit, moi, j'aimerais parler de ça. Je voudrais parler. Oui, voilà. c'est ça. On a fait une rencontre avant l'été dernière et on s'est bien compris. Je lui ai dit ce que je voulais et on a commencé à se voir. J'ai commencé à lui raconter des histoires et il a commencé à me présenter des chansons avec les histoires que je lui avais racontées. Et ça m'a paru tellement fidèle. Il a compris tellement mon univers, il a compris tellement mes besoins et ce que je voulais raconter que voilà, que c'était une évidence quoi. Mounia, tes chansons sont romantiques, l'es-tu vraiment dans la vie? Bah quand j'ai l'occasion, oui. C'est quoi une occasion d'être romantique? Bah quand je suis amoureux, par exemple. Et tu es amoureux? Là, je suis amoureux de la vie, de mon boulot, donc je suis romantique avec mon boulot. mais quand je suis amoureux, oui, je suis très romantique et je suis très détailliste avec les gens que j'aime, avec les gens qui me font du bien. Donc pour moi aussi, il y a une partie de romanticisme dans la relation avec la famille, avec les amis, parce que pour moi, le romanticisme, c'est aussi prendre soin de l'autre, c'est faire plaisir à l'autre, c'est tout ça. Donc, voilà. Florian. Dans la chanson Carmina, tu rends hommage à ta grand-mère. En quoi t'a-t-elle marqué? Ma grand-mère Carmina m'a marqué en beaucoup de choses. J'ai appris d'elle beaucoup de valeurs humaines, la générosité, l'honnêteté, la loyauté. Loyauté, merci beaucoup. Je t'en prie. Tu vois, depuis 6 ans, j'ai encore des choses à corriger. J'aime bien. Non, mais c'est charmant cet accent, bon, c'est merci charmant. Beaucoup. C'est merci vrai. Beaucoup. Et après, elle m'a donné l'amour pour l'art. C'était avec elle, avec qui j'étais assis sur le canapé pour regarder les films de l'âge doré, du cinéma hollywoodien, le cinéma de Truffaut, plein de choses. Et après, c'est quelqu'un que j'ai vu danser à la maison, chanter à la maison, quand elle servait le repas et tout ça. Donc, l'amour pour l'art, je l'ai d'elle. Ça a été une inspiration. C'est une inspiration et c'est une source aussi. Parce que si quelque part j'ai ces rythmes dans moi, c'est grâce à elle aussi. On l'a hérité d'elle, toute la famille. Très bien. On l'embrasse? Bah bien sûr. Ah. Elle est là-haut, mais on l'embrasse quand même. On lui fait un gros bisou. Ah. Émilie, sur les réseaux sociaux, tu as rendu un bel hommage à Charles Aznavour, qui vient de nous quitter. Quel titre de son répertoire t'a le plus marqué? Bah hier encore. Et oh. Dans la chanson En haut, c'est une chanson que je me retrouve. Je ne suis pas venu des provinces, mais j'ai laissé mon pays, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, j'ai tout quitté. Et quelque part, même si je ne croyais pas en moi quand je suis arrivé à Paris, parce que je suis arrivé avec une main devant et une main derrière et une valise, plein courage, j'avais rien. Et j'ai rêvé de voir mon nom partout. Même si, je savais que c'était très compliqué parce que je parlais pas un mot de français, donc à la télé espagnole il y avait aucun étranger et je me suis dit bon voilà,
trouve un boulot comme n'importe lequel et fonce, tu vois. Mais quelque part, au fond de moi, il y avait un petit espoir de voir mon nom au haut de l'affiche. Et voilà, j'espère le voir quelques jours. Il est déjà un petit peu. Bon, un petit peu. Hein, quand même. Karim, justement, qu'est-ce qui te plaît en France que tu ne trouvais pas en Espagne? Ici, j'ai une liberté que je n'ai pas en Espagne. Ici, je me sens accepté. Je me sens, je sais pas, je trouve, je sais pas, peut-être vous allez penser que je suis un peu prétentieux, mais je ne me trouve pas un homme comme les autres. Je suis quelqu'un qui aime bien mettre la tendresse en avant, la sensibilité en avant, la fragilité en avant. J'aime bien montrer ça des hommes. Mais quand on est artiste, on a besoin de se protéger de tout oui, ça. Oui, 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 on se protège des choses, mais après, quand tu es sur scène, quand j'ai joué un rôle, j'ai besoin de montrer cette fragilité qu'on y en manque aujourd'hui de voir chez les hommes. Donc, je trouve que c'est important de montrer cette sensibilité, cette tendresse. Et voilà. Et c'est ça qui me plaît de la France, qu'ils m'ont accepté comme je suis. Et en Espagne, on attendait toujours les machos, le rude, tout ça. Et je ne suis pas de tout ça. Je peux le jouer, mais je ne suis pas de tout ça. Et ici, je me sens accepté, je me sens en liberté en France. Très bien. Et je vous remercie d'ailleurs. Je n'y suis pour rien. Bon. Vraiment, c'est gentil, mais... Joël, en 2014, tu as participé en France à l'émission Rising Star mm-hmm. en interprétant la reprise de Jeannette. Porque te vas. Peux-tu nous la chanter? Bah, je peux te chanter un petit morceau, à voir si je me rappelle. Uh-huh. Ah, j'ai un trou. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Muchas gracias. De nada, mujer. J'étais en train de réfléchir aux mots, aux paroles, parce que ça, c'était en 2013. Et voilà, j'ai pas chanté la chanson depuis, voilà, depuis 5 ans. Donc, voilà, comme quoi, on a de la mémoire. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Agustin. Bah, c'était un plaisir d'être ici, et voilà. Si vous n'avez toujours pas l'album, vous pouvez l'acheter. Voilà. C'est bien. Bah, très bien. Bah oui. Ou pas. Bah oui. Hein bah oui. Ouais. Bah oui. On peut l'acheter. Vous allez vous amuser. Je pense que c'est un album plein d'émotions, plein de romanticisme. Et c'est un album aussi pour l'automne. Il est, donc, dansant, il est dansant. Il est romantique. Il est nostalgique. Il est nostalgique. Et je pense que c'est la force de cet album, qu'il y a de la joie, il y a de la nostalgie, qui se rencontrent, et je pense que c'est la force de cet album. Merci beaucoup, Agustin. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci.